Yo, j'espère que vous allez tous super bien la famille. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. En fait vraiment cette vidéo là les gars, j'ai vraiment pas envie de la tourner, je vous le dis. C'est la seule vidéo que je fais et même je pense toi. Bon, pas du tout en fait. Voilà, on a pas envie de la tourner je pense. Simplement aujourd'hui on vient vous annoncer une très 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 triste nouvelle. On s'est pris un strike, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, en fait, si vous voulez, on a pris un avertissement par YouTube. YouTube a supprimé tout simplement une de nos vidéos. Qui était un challenge en couple. En fait, qui était un challenge. Genre, ils nous ont signalé ça pour contenu trompeur et spam. Alors, voilà. What the fuck. Ce qui était marqué dans le titre, c'était, pour ceux qui se rappellent, c'était... le Balloon Pop Challenge. Voilà, c'était en gros, on se mettait un ballon entre nous et on se lèque la tête, genre par exemple là. Et la miniature, c'était ça, tu vois. Donc il y avait un ballon entre nous, pour ceux qui se rappellent. Et c'est une vidéo qui date de novembre 2017. Voilà. Donc genre, on s'est pris un strike. Mois. Et ce qui se passe là, les gars, vous voyez la vidéo vers 22h à peu près. Ce qui se passe, c'est qu'on peut plus live. Voilà. Donc voilà, on est blasé. On est blasé, on sait pas si ça peut s'arranger. Franchement les gars, c'est une erreur je pense. Enfin du moins je l'espère. J'espère qu'on n'a pas fauté. En tout cas j'ai bien regardé le règlement, pourquoi on a été strike en fait tout simplement. Et bah toutes les conditions qu'il y avait en fait, on les avait respectées en fait. Donc je pense qu'on n'a rien à se reprocher, vous le savez, je vous le dis constamment les potes. On n'a pas encore contesté le strike, on compte le faire, mais avec notre network parce qu'on a peur qu'au final ce soit robotisé de la même manière que ça a été revendiqué la vidéo et qu'au final ça nous dise ah bah non en fait non ça va pas ta vidéo alors qu'au final tout va très bien. Donc on attend des réponses de notre network, si vous nous entendez c'est super d'ailleurs. Je suis déçu de plein de choses, je suis déçu de... Tout simplement parce que pour ceux qui nous suivent régulièrement, pour ceux qui sont des abonnés assidus, ils le savent, on fait jamais rien qui est à l'encontre du règlement de YouTube. Je suis toujours à cheval sur ça et je le dis tout le temps en live. Vous êtes beaucoup nombreux à nous demander des concours V-Bucks en ce moment et je le sais et j'ai encore relu les règles tout à l'heure pendant au moins 2 heures. J'ai passé encore 2 heures à relire toutes les règles de YouTube et c'est bien interdit les concours. Et voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous en fait pas et au final ça nous tombe quand même sur le voilà, coin de la gueule. Voilà, ça nous tombe quand même sur le coin de la gueule pour des trucs complètement cons quoi. Pour spam, je me suis fait strike pour spam en fait, pour une vidéo. Limite comme si on était allé dire en fait, si je vous explique un peu, limite comme si on était allé mettre le lien de notre vidéo dans des commentaires d'une autre vidéo. Voilà, mais ça c'est considéré comme spam. Est-ce qu'on a spam. Des gueules à faire ça franchement. Voilà, alors que je suis contre ça, vous le savez, sur les lives, ceux qui font leur pub, tout ça, ils sont mal vus et je ne cesse de vous le dire que c'est pas comme ça que YouTube doit se passer. Et aujourd'hui, je me fais revendiquer pour ça. Enfin, je suis désolé les gars, je suis un petit peu déçu. On espère que ça va se revenir au plus vite. Sinon, on créera une chaîne de live ou un derrière comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Franchement, je compte avoir un maximum de soutien de votre part les potes. En plus avec le problème à l'oreille Baba, tout ça, c'est il y a plein de choses qui en vont plus, pas. En plus on n'est pas à la maison pour régler tous ces problèmes. Voilà, on n'est pas à la maison pour régler tous ces problèmes. On partait 3 jours juste pour se reposer, au final ça devient un enfer quoi. Voilà voilà, donc vous aurez cette vidéo je pense, je sais pas à quelle heure on va la publier, peut-être 22h, 22h30. Ouais, j'en sais rien. Donc voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire, on est écœurés les gars, on est vraiment écœurés. J'espère que ça va se régulariser au plus vite, ça se trouve dans 2 jours. Le strike sera retiré et tout ira bien, on l'espère. En tout cas, voilà, petit message aussi à toutes les personnes qui continuent on va dire, à faire leur truc, leur petit chemin tranquille. Faites attention, ça peut tomber sur n'importe qui et surtout les règles, ça pardonne pas. Surtout sur YouTube, ça devient de plus en plus sévère. Nous, même quand t'as rien heureusement, fait, au final. heureusement, voilà, on se protège de ça. Moi, je sais que je suis tout blanc, tout net. Je sais que quand je mets un titre, ça correspond à la vidéo. Quand je mets une miniature, ça correspond à la vidéo. Surtout là, sur celle-ci, on s'est fait strike. Donc, au final, faites attention pour les autres youtubeurs qui regardent cette vidéo. Vraiment, faites attention à vous. Je pense qu'il y en a certains qui abusent de beaucoup de choses. Malheureusement, si un jour ça tombe, on pourra rien voilà. faire pour vous. Nous, on vous laisse les potes, c'était tout pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui voient la vidéo ce soir. Et je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui la voient aujourd'hui. Allez, à plus les potes, à demain. Peace.